Et là, regardez! Oh, ils sont trop mignons! Et alors, qu'est-ce que vous faites? Ça ne vous suffit pas une heure de colle? Retournez à vos places! Mais madame, c'est pas nous! Venez voir, on a une visite surprise! Qu'est-ce que c'est encore? Mais qu'est-ce que... Bon, les enfants, pas de panique, surtout, vous restez ici, je reviens! Mais d'où ils viennent, ces animaux? Sûrement de la ferme pédagogique d'à côté. Tu n'y es jamais allée? Non. Ouais? Ben moi, je vais les voir. Oh, t'as raison. I-a. I-a. Attention! Ça va pas de lui faire peur comme ça? Ben c'est plutôt lui qui fait peur. Il faut approcher doucement, sinon il se défend. J'ai une idée, je vais leur chercher à boire. Je viens avec toi. Ok, Siofen, toi, tu surveilles les animaux. Moi, je vais voir si le portail est bien fermé. Mais pourquoi tu veux les enfermer? Faut les faire partir. Mais non, ils sont plus en sécurité ici que dans la rue avec les voitures. Ben, elle est où, Siofen? J'arrive. Regardez ce que j'ai trouvé. Super, la poubelle de la cantine. Voyons voir. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégoûtant. Oh, ça va. Cherche à manger pour le cochon. Hein? Mais ça mange quoi, un cochon? Si t'avais écouté les cours, tu saurais que c'est omnivore, un cochon. Quoi? Ça mange les hommes? Mais non, ça mange de la viande et des végétaux. Hein. Ah, ben je le savais. Regardez, une pomme. Propose à l'âne. Je crois que le cochon est occupé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça je sais. Il essaie de se rouler dans la boue. Ça, c'est dégoûtant. Pas du tout. C'est pour se faire un genre de crème solaire, pour se protéger du soleil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de boue. J'occupe l'âne. Prenez l'eau du seau. Hi-ha. Venez, les garçons. Petit cochon. Mais va-t'en, il vient pas avec ta Les enfants, mais qu'est-ce que vous faites? Hannibal, brocoli. Hein? Quoi? C'est le nom des animaux. Monsieur est responsable de la ferme. Ah, d'accord. On s'est occupé des animaux pour qu'ils ne s'échappent pas. C'est formidable. Je vois que vous en avez pris soin. Heureusement qu'ils ont trouvé refuge chez vous. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez m'aider à les repagner à la ferme? Ouais. D'accord. À condition que vous fassiez un exposé. Oh, mais non, madame. C'est pas grave. Okay. On y va. Et ce sera pour vous l'occasion de découvrir les autres animaux. Cool.